Méditation du 31 octobre. Sauvetage spectaculaire. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne frappera plus, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Apocalypse 7, le verset 16 et 17. Un soldat de l'armée est réapparu vivant, après avoir passé 23 jours perdus dans l'épaisse forêt, où il a survécu en mangeant des graines et des tortues crues, en buvant de l'eau de palme et en chantant. Yefer Orlando Sanchez Fonseca, 26 ans, a été retrouvé sain et sauf. Le soldat s'était égaré en menant des opérations militaires de contrôle territorial dans la région. Immédiatement pour le retrouver, son commandant avait lancé une opération de recherche qui comprenait plus de 500 hommes, dont les pilotes qui survolaient la zone, la diffusion de 15 000 tracts, ainsi que des messages radio relayés sur les stations institutionnelles et régionales. Enfin, le soldat Carlos Enrique Tunulaba a retrouvé l'homme. Selon les médias locaux, il était barbu, sale, sur le point de défaillir. Il ne transportait ni nourriture ni eau, seulement son matériel de guerre. Un fusil, des munitions, un casque, des explosifs, une couverture, une machette, une gourde, a-t-il déclaré aux médias. Le soldat a dit qu'il marchait avec une quarantaine de compagnons quand il s'est égaré. C'était le dernier de la file, veillant à l'intégrité de mes compagnons, mais par inadvertance, je me suis écarté du chemin et je me suis perdu, a raconté Sanchez. Les premiers jours, il n'avait ni mangé ni bu parce qu'il avait voulu rapidement retrouver son chemin. Mais la jungle l'en avait empêché. En tombant sur le compagnon qu'il avait sauvé du désespoir, il y avait eu un moment de tension parce que tous les deux s'étaient menacés de leurs fusils. Mais le soldat a tout géré de manière très professionnelle et tout s'est bien passé. Le récit biblique raconte que notre monde aussi s'est égaré. Nous étions tous errants comme des brebis, Ésaïe 53, le verset 6. Mais Dieu a lancé la plus grande opération de sauvetage que l'univers ait jamais connue, l'opération Calvaire. Jésus est en effet venu dans ce monde et a racheté notre salut au prix de son sang. Et très bientôt, il reviendra pour nous sauver. Jean décrit dans l'Apocalypse comment, après le rachat, nous ne souffrirons plus jamais de soif ou de faim. Plus rien ne nous nuira et le Christ, l'agneau de Dieu, sera le berger de l'humanité rachetée. Aimerais-tu faire partie du groupe des rescapés? Très bonne journée à toi et à demain si Dieu veut.